À 6 ans, Anaël souffre de la forme d'Alexander, de la leucodystrophie. Une mutation génétique est à l'origine de sa maladie dégénérative, décelée à 13 mois. Même si ce n'est pas héréditaire, Géraldine, 34 ans, sa maman, ne peut s'empêcher de se remettre en question, soutenue dans cette épreuve par Dalibor, un ami. C'est pas possible. Quand on nous annonce la pathologie et les conséquences qu'il va y avoir, effectivement, on est en colère. Pourquoi nous ? Pourquoi elle, surtout ? Pourquoi Anaël ? Je m'en veux et je me sens coupable parce que moi, je vais très bien. Je n'ai pas le gène. En général, on doit offrir la vie à son enfant à la naissance. Moi, je lui ai offert la mort, alors c'est pas terrible. La maladie a plongé Anaël dans une paralysie quasi totale. Elle ne parle pas, mais toutes ses capacités intellectuelles sont intactes. Une relation très forte lie la petite fille à celui que tout le monde appelle Dali. Et dis donc, tu me boudes ? Tu me snobes aujourd'hui ? Hein ? Déjà, avec un enfant normal, on a déjà un petit peu d'appréhension. On sait pas comment prendre un enfant. On sait pas comment lui parler. Déjà, le stade de compréhension qu'il a. Alors, en plus, avec une petite fille handicapée comme ça. Donc, on sait pas où se placer. Bonjour. Comment ça va ? Vas-y, on sait dire, ouais. Grande. Le réveil de sa fille est le moment que Géraldine ne raterait pour rien au monde. Dès le matin, la raideur d'Anaël nécessite soins et massages pour la soulager. Des gestes complices entre la mère et la fille. Le réveil, c'est un moment magique pour moi parce que elle est docile, elle est facile, elle est tout en douceur. La leucodystrophie, elle est présente 24 heures sur 24. Le matin, au coucher, le midi. Après, là, c'est un rapport maman et petite fille. C'est pas forcément un rapport maman et la maladie et la petite fille. Je suis aussi une maman comme tout le monde. Ouais, qu'est-ce qui se passe ? La maladie a privé Anaël de la parole. Depuis 6 ans, sa maman tente d'établir une communication avec elle et tous les moyens sont bons pour y arriver. Anaël, elle a jamais parlé. C'est pas une fonction qu'elle a perdue. C'est pas comme sa motricité qu'elle a perdue. Là, elle a jamais parlé. Le seul mot qu'elle dit, c'est maman. Et en général, c'est quand elle est en pénurie. Quand ça va pas, c'est maman. T'es pas d'accord avec moi ? Quand même. Si. Anaël est en fauteuil roulant depuis 2 ans. Maintenue par un corset, telle une petite poupée fragile, elle perd peu à peu l'usage de ses mains. Une nouvelle étape difficile à franchir pour Géraldine. Il y a 3 ans, Anaël pouvait encore jouer et dessiner. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Mais Géraldine ne peut se séparer de tous les souvenirs d'avant. Elle n'arrive pas à faire le deuil de cette période de la vie de sa fille. Ce dessin, c'est vrai que je le garde parce que pour moi, c'est le chef-d'œuvre de ma fille. C'est la seule chose du passé que j'arrive à garder. J'ai retiré des photos, par exemple, ça me blesse trop. Si je les regarde aujourd'hui, je ne reconnais pas du tout ma fille. La maladie progresse très vite, je connais parfaitement la chute. Je pense que même si on se prépare, la douleur est la même. Et j'ai pas du tout envie d'y penser encore. Sinon, on arrête tout aujourd'hui. Anaël, aujourd'hui, je la vois comme ma fille. Je la vois pas comme une petite fille malade. Je la vois comme ma fille avec tout le bonheur qu'elle m'apporte. Mon désir, c'est qu'elle soit épanouie tout au long du parcours qu'elle doit vivre. Ça me suffit amplement. C'est le plus beau cadeau qu'elle puisse me faire.